Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Et de Visite Tucson. Golf Mag, cette semaine, on poursuit notre magnifique séjour dans le sud de l'Arizona, plus précisément à Tucson. On va vous faire découvrir deux splendides parcours qui ont été conçus en 1987 par l'architecte de renom Tom Fazio. On est au Ventana Canyon et vous allez découvrir deux parcours complètement différents situés au cœur du désert sonoran et au pied des majestueuses montagnes Santa Catalina. Là-dessus, bonne émission, bon Golf Mag! C'est avec grand plaisir que j'ai la chance de m'entretenir maintenant avec le professionnel ici au club de golf Ventana Canyon, Mike Griggs. Il est ici depuis 12 ans. Mike, quel genre d'expérience les golfeurs peuvent-ils avoir quand ils viennent visiter ici vos magnifiques installations à Ventana Canyon? They can experience great sunshine, blue skies, lots of pretty views, green grass, golf courses are in great shape, greens are very quick. How different are your two courses? They're both Tom Fazio designs. They're both very much desert golf courses, so you have to aim for green grass. Green grass is good. You hit green grass is good. In the desert, you're in a lot of trouble. There's a lot of scenic views on both golf courses. What I like to tell people is the mountain course is just a little bit harder than the canyon course, but you will not be disappointed in either course. So the mountain is the more popular of the two, but either course is a great day of play. I want to have from you some golf advice because I already played those two great golf courses, but how can we be good on those particular difficult greens? The thing we tell all of our guests when they check in, as you see the mountain behind us, everything breaks away from the mountain or towards the city down to the valley there. Yeah. So that's the key. Sometimes it's a visual. You can't really tell what it's going to do, but if you can keep track of the mountain or the city, you'll know which way the ball is going to break off the greens. Le parcours Canyon a vu le jour en 1984. À Normal 72, ce parcours de championnat s'allonge sur 6819 verges. Comparativement à son jeune frère, il pardonnera un peu plus vos coups erratiques. Quand vous jouerez le 9 de retour, jetez un coup d'œil au 10e trou, à l'emblème du canyon, une immense formation rocheuse qu'on appelle Whale Rock, se trouve juste derrière le verre. En somme, vous retrouverez des allées généreuses et de très belles vues sur ce bijou du désert. Oh, elle va être belle, celle-là. Situé à plus de 3000 pieds d'altitude, le parcours Canyon a été sculpté à travers un canyon qui s'appelle le Canyon Espero. Et il offre des vues très spectaculaires, comme ici, au 13e trou. Et bien que l'hiver soit tout aussi rapide que sur le parcours Mountain, c'est un parcours qui se veut un peu plus docile. Et si vous portez une attention particulière à l'environnement autour de vous, bien, vous allez être à même de constater qu'il y a plusieurs animaux sauvages. Il y a des cerfs, il y a des lièvres, il y a également des sangliers et bien sûr, les toujours célèbres Roadrunners. Le parcours Mountain a été ouvert au public en 1987. Chaque trou est unique sur ce parcours à Normal 72 de 6898 verges. Il offre plusieurs trous où le risque peut être récompensé. On y retrouve des paysages à couper le souffle et une végétation désertique intense. Pour un parcours désertique, il est étonnant de réaliser l'ampleur de la surface gazonnée sur ce parcours Mountain. Les aires de frappe sont très larges, mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que d'un trou à l'autre, les dénivellations de terrain sont majeures et importantes. Mais le principal défi sur ce parcours réside sur les verts. Il y a plus d'une soixantaine de golfeurs qui nous accompagnent dans ce séjour en Arizona à Tucson. Et pour jouer le trou de la semaine au cours de l'émission, on a choisi de prendre un des participants, un des voyageurs, si vous voulez. C'est Daniel. Et Daniel, je veux que tu nous parles un peu de ta passion de golf parce qu'elle est débordante de bien des façons. Tu fais des voyages pour les loisirs, mais également comme cadet. Oui, exact. J'ai commencé il y a à peu près 3 ans à me passionner pour le golf.
mais plus intensément en allant cadrer pour les petits tournois qu'il y avait au Québec. Et de fil en aiguille, de fin de semaine en fin de semaine, à travers mon travail, j'ai adoré cadrer. L'expérience. Exactement. Bien. Tu rencontres du nouveau monde, tu rencontres des nouveaux endroits. Les joueurs sont tellement accueillants, ils ont été gentils avec moi et ça m'a donné la piqûre de vouloir continuer. Donc, quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de vivre l'aventure 12 mois par année. Wow! Fait que là, j'ai dit, ça va être super, ça. Et là, j'ai été de terrain en terrain. J'ai été sur l'Internet et j'ai regardé où il y avait des tournois. J'ai embarqué dans mon auto et je me rendais sur place. T'allais te chercher un joueur ou t'espérais avoir un sac? Exactement. Au début, quand on commence à cadrer, on va dans les stationnements et on demande aux joueurs. Et si la chimie se fait, bien, on fait un petit tournoi avec, et ainsi de suite. Et maintenant, là, dans la dernière année, j'ai été chanceux que les joueurs me connaissent. Ouais. Donc, j'ai fait pas mal de Canadian Tour, le web et un peu de latino, un peu partout. Ah, c'est génial, ça. Et quelles sont tes forces comme cadet? Je veux dire, ça prend quoi comme qualité pour aider un joueur? Parce que ça devient un élément complémentaire au succès du joueur, un cadet. Oui. Tu vois, avec mon expérience au début, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être avec des golfeurs québécois qui m'ont beaucoup aidé parce que je ne suis pas un professionnel. Donc, avec eux, ils m'ont appris beaucoup les petits détails. Et après ça, j'ai commencé à... Tu ne montres pas à ces joueurs-là qui ont zéro d'handicap... Au mieux, de comment frapper une balle. Mais tu vois, à cette heure, on entraîne plus... Tu sais, je vais plus aller avec le mental, la préparation, voir les petits détails, tous les petits détails que le joueur, il a juste à se concentrer sur sa... Sur le coup de cœur, oui. Exactement. Ah, c'est exactement. Génial. Et parle-moi un peu de ton expérience de cette semaine de voyage avec quoi, une soixantaine de golfeurs, un environnement exceptionnel. Comment est-ce que c'est ton premier voyage de groupe? Oui, c'est mon premier voyage de groupe et j'ai adoré ça car je voulais voir d'autres endroits. J'ai voyagé un peu partout. Puis l'Arizona, c'était comme on dit dans le jargon, ma bucket list. Et puis j'ai dit, ah, il faut que je l'essaye. Et puis là, il y avait une ouverture dans mon calendrier. J'ai dit, c'est parfait. Fait qu'il y a à peu près 6 mois, j'ai booké mon voyage. Puis jusqu'ici. La température, les paysages, c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, on va jouer le trou de la semaine ensemble. Super. Ça fait ton bonheur, ça? Super. Génial. Merci. Golf Mag se poursuit dans quelques instants avec le trou vedette de la semaine. Sur le plus haut point du parcours Mountain se trouve leur trou signature du Ventana Canyon. Cette normale 3 n'est pas très longue. Elle se joue entre 98 et 107 verges. Il faut absolument la jouer les tertres les plus élevées, ne serait-ce que pour y observer la vue sur le désert Sonoran à 360 degrés jusqu'au Mexique. Il est l'un des trous de golf les plus photographiés à l'est du Mississippi. Ben Daniel, nous y voici à notre trou de la semaine à Golf Mag. Tu sais qu'on est chanceux, nous, quand on se promène, on envoie des beaux trous. Mais celui-là, particulièrement au Ventana Canyon cette semaine, écoute, c'est une carte postale, c'est pas compliqué. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Daniel. On voit les cactus, on voit la montagne. Il n'y a rien de plus beau. Non, il n'y a pas beaucoup de décors comme ça par chez nous, hein? Non. Écoute, je sais qu'avec le groupe de Gendron, tu as eu la chance de jouer ce par 3-là un peu plus tôt cette semaine. Comment ça s'est passé? Ça s'est quand même très bien passé parce que la distance apporte à confusion. On sent pas le vent qui vient d'un peu de la gauche, donc ma balle s'est retrouvée dans le fond du verre. Ah oui, mais ce qu'il faut pas faire, surtout avec une position de drapeau comme aujourd'hui, là, qui me semble être arrière-droit, avec la roche qui est devant, c'est assez... C'est bien protégé. Dis-moi donc, je serais curieux de connaître ta stratégie aujourd'hui. Là, il y a température parfaite, il n'y a pas trop de vent. Tu vas faire quoi comme jeu ici? Je vais viser le centre du verre à court pour être en bas du flag, pour être sûr de poter à pile. Excellent. Mais comme tu as déjà joué, je vais te laisser les honneurs. Merci. Bonne chance. Je suis curieux de savoir, Daniel, quel bâton tu prends? Je vais prendre un 50 degrés, mais 3/4 swing. Parfait, ça. Mets ça proche. Mets ça dedans, en fait. Ah, ça va franchir la distance, d'après moi. T'as fait exactement ce que tu voulais. Ouais. C'est parfait, ça. Tu vas avoir une chance de bird, c'est sûr. Je vais essayer de faire un peu comme toi. Thank you.
Bon, ben un peu à l'image de Daniel, je vais tenter de faire un peu la même stratégie, c'est-à-dire jouer la gauche du fanion pour me donner idéalement un roulé en montant. Et dans mon cas, ça va être un bâton à 56 degrés, donc un gap wedge, un wedge. Question de parcourir les 103 verges qui me séparent de la cible. Et idéalement, là, je vais essayer de mettre ça dedans. Être bon. Belle balle. Ouais, excellent. Ah, je l'aime comme ça. Ouais, super. Ça. On va aller potter bird, bien temps. C'est comme ça qu'on les aime. On les a pas placés exactement là où on voulait. Ouais. C'est déjà être le vert, c'est. Ouais, c'est déjà bien. Daniel, je pense qu'on va chacun avoir un roulé vraiment excitant, vraiment intéressant, mais ton roulé, personnellement, va ressembler à quoi? La première partie va être assez plat, mais la deuxième partie va être assez rapide et de gauche à droite. OK, un petit roulé en finesse, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ah, bon roulé. Touche le trou. Wow! OK, ralentis un peu, ralentis un peu. Assez rapide. Écoute, c'est assez rapide, effectivement. OK, je vais essayer de m'ajuster par rapport à ce que tu as fait comme coup roulé, là. Ouais, ça va être intéressant comme roulé. C'est vraiment rapide. La vallée est là-bas, la montagne est là, alors c'est clair que ça déboule à droite. Je vais être vraiment en finesse. L'envoyer un petit peu à gauche, puis je vais à peine la caresser. Les verres ici à Ventana Canyon roulent à peu près en pente comme ça, à au moins 10-11. OK, ralentis un peu. Ouais! Super, ça, Daniel. Ça, c'est du gros, super. Gros bonus. Super. Ça n'a juste pas de bon sens. Un bird sur ce trou-là, là, d'où j'étais, là, c'est du gros bonbon. Bon, à toi maintenant, Daniel, parce que tu as dépassé de quelques pieds le trou, mais ton deuxième pote est un peu plus facile, je pense. Hein? Oui, en montant, j'y vais pour l'intérieur droit. Ça dedans pour un beau par, là. Good putt. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ah, c'est le fun. Des beaux... Ah, c'est le fun. Des beaux paysages comme ça, il n'y a rien de mieux. Un bird, un par sur le trou numéro 3 de ce parcours-là, là, on prend ça n'importe quand. Donc, la fin du séjour va être agréable. Oui, avec la belle température. Certain. Bonne fin de journée, Daniel. Hey, je te remercie. Merci beaucoup. Restez des nôtres. Golf Mag se poursuit après cette pause. Daniel nous parle des nouveaux bâtons hybrides de la série Apex de Callaway. Et Jérôme nous aide avec nos coups roulés. L'équipe de Golf Mag a séjourné au Greens at Ventana Canyon. Cet établissement propose des condos tout équipés, parfaits pour les groupes de golfeurs. Situé à proximité de restaurants et d'épiceries, vous y retrouverez plusieurs commodités, telles que piscine et spa, pour des vacances réussies. À la chronique équipement cette semaine, laissez-moi vous parler de la nouvelle famille Apex chez Callaway. Vous le savez sans doute, les bâtons, les fers longs sont de moins en moins utilisés par les golfeurs aujourd'hui. Là, quand je parle de fers longs, je parle des fers 2, 3 et 4. Et la grande tendance s'inscrit dans l'utilisation des bâtons hybrides. Or, dans la nouvelle famille Apex de Callaway, il y a ce nouveau bâton hybride qui, soit dit en passant, est très intéressant. Je m'explique. D'abord, c'est une tête un peu plus mince que d'autres bâtons que vous pouvez trouver sur le marché qui sont similaire et la tête est un peu moins offset. En fait, une tête moins offset, c'est que par rapport à la tige, la face est un petit peu plus à l'avant. Ce que ça va avoir comme incidence pour ce bâton-là particulièrement, c'est que ça va vous permettre de frapper pour les droitiers une balle un petit peu plus avec trajectoire de gauche à droite, un fade pour les droitiers. Parce qu'habituellement, un bâton hybride nous force ou nous invite à frapper souvent des crochets intérieurs, un draw, toujours pour un golfeur droitier. Alors, vous le constatez, chez Callaway, on y va avec une belle finition mauve, mais on conserve la technologie Cup Face qu'on retrouve également dans l'autre série populaire chez Callaway, la série XR,
qui est aussi très performante. Et vous remarquerez également sous le bâton, au niveau de la semelle, il y a un léger poids qui est ajustable lorsqu'on va en session d'ajustement. Là, ça se fait pas avec un outil personnellement. Il faut aller dans un magasin spécialisé avec des professionnels attitrés et on sera en mesure d'ajuster le poids selon le type d'élan que vous avez. À la base, le bâton hybride tel que j'ai entre les mains vient avec un poids de 6 grammes, mais ça peut aller jusqu'à 3 grammes au minimum et ça peut aller également jusqu'à 11 grammes au maximum. Quand vient le temps de choisir un bâton hybride, bien sûr, on regarde souvent l'angle du bâton. Celui que j'ai entre les mains est l'équivalent d'un hybride 4, donc 23 degrés. Chez Callaway, dans la famille Apex, on propose pour les droitiers, on s'entend, des bâtons qui vont de 16 jusqu'à 23 degrés. Donc 16, 18, 20, 23. Pour les gauchers, malheureusement, il faudra vous contenter seulement chez Apex de deux angles disponibles, soit le 20 et le 23 degrés. Et autre chose importante à ne pas négliger, quand on se rend directement à notre magasin, à notre boutique de golf, bien souvent, ça vient avec une tige stock, une tige en magasin. Et lorsqu'on fait le choix d'un bâton hybride, il faut s'attarder, bien sûr, au choix de la tige. C'est super important. Et Callaway en propose pas moins de 19 choix différents, sans frais supplémentaires. Donc, c'est vraiment un plus si vous allez du côté de la famille Apex, du moins dans le bâton hybride. C'est intéressant comme sensation. J'ai dû frapper une douzaine de balles. J'ai frappé 2-3 minces, mais la balle a pu conserver quand même une bonne trajectoire sans s'éparpiller ni trop à droite ni trop à gauche. Et les balles que j'ai le mieux frappées sont parties avec une belle explosion. Elle a franchi aisément la distance désirée. Et ce que je remarque personnellement, c'est qu'habituellement, avec mon bâton hybride, j'ai une petite tendance à aller vers la gauche. Un crochet intérieur, un draw, si vous préférez. Alors qu'avec l'Apex, comme prévu, on me l'avait dit, c'est soit un petit crochet vers la droite, un fade, mais dans mon cas aujourd'hui, c'était surtout des balles droites. Alors, bonne sensation, belle qualité d'impact. À essayer, ça vaut vraiment la peine. Depuis le Golf L'Express, le plus grand centre d'entraînement au Canada, voici le conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais. Aujourd'hui, je vous propose un petit conseil pour vous aider à s'assurer de dépasser le trou sur chacun de vos courroulés, surtout à une dizaine de pieds du trou, la zone payante. On appelle ça la game à 5 points, l'entraînement à 5 points en français. L'objectif, c'est d'accumuler 5 points en se promenant à une dizaine de pieds du trou dans le sens horaire. On exécute des courroulés et on veut aller chercher le 5 points le plus rapidement possible. Donc, les règlements sont les suivants. Si je frappe un courroulé à court du trou, je suis pénalisé d'un point, donc moins un point. À chaque fois que je réussis un courroulé, ça équivaut à me donner un point, donc plus un point. Mon score est maintenant à 0. Je me déplace encore une fois. Faut pas hésiter non plus à travers ça à prendre le temps de faire une certaine routine, faire la lecture du courroulé. Ça nous fait en sorte qu'on reproduit un peu ce qui va se passer sur le terrain en situation de jeu réel. Je prends le temps de lire mon pot. Je me suis déplacé. J'ai dépassé le trou. Je termine mon deuxième roulé. Je fais encore 0 point. Et je continue comme ça. Donc, on se rappelle, à court, on perd un point. Dans le trou, on fait un point. On dépasse le trou et on réussit le roulé pour le retour, 0 point. On dépasse le trou, on fait 3 roulés, on perd un point. Donc, le plus rapidement possible qu'on réussit à aller chercher nos 5 points, c'est l'idéal. Donc, si vous jouez seul, vous pouvez calculer le temps que ça vous prend pour aller chercher vos 5 points. Et si vous jouez en duo, le premier qui atteint ses 5 points remporte la partie. Bon golf! Que
quelle belle façon de compléter le parcours avec ce magnifique 18e ici à Ventana Canyon. Un tertre surélevé avec une vue plongeante sur la vallée. Je vous le dis là, Ventana Canyon, c'est un terrain à mettre à votre liste de terrains à jouer au moins une fois dans votre vie. C'est un défi de chaque instant et c'est très agréable à jouer. Et d'autant plus qu'en 2017, on va célébrer le 30e anniversaire de l'endroit. Alors, venez faire un tour d'ici là, venir festoyer avec les gens de la place. Revenez-nous pour un autre Golf Mag. Cette émission vous a été présentée par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Ainsi que par Visit Tucson et le club de golf Ventana Canyon. Daniel Melançon est habillé par Peak Performance.